Russie 1919. Une guerre civile opposant les révolutionnaires bolcheviques et les armées blanches anticommunistes fait rage. Le grand fleuve de la Volga traverse cette ville est l'un des plus importants centres industriels du pays, mais il s'agit également d'un portail qui donne sur le cœur de la Russie. Après avoir assiégé Tsaritsyn à 3 reprises, les Blancs, alors soutenus par des chars et des avions britanniques, réussirent à prendre la ville. Ces forces contre Russie 1919. Une guerre civile opposant les révolutionnaires bolcheviques et les armées blanches anticommunistes fait rage. Le grand fleuve de la Volga traverse Tsaritsyn. Cette ville est l'un des plus importants centres industriels du pays. Mais il s'agit également d'un portail qui donne sur le cœur de la Russie. Après avoir assiégé Tsaritsyn à 3 reprises, les Blancs, alors soutenus par des chars et des avions britanniques, réussirent à prendre la ville. Ces forces contre-révolutionnaires étaient principalement composées de Cosaques et d'anciens soldats impériaux. Et elles comptaient sur cette victoire pour sécuriser le sud de la Russie avant de lancer l'assaut sur Moscou, siège du pouvoir bolchevique. Cependant, l'armée rouge aux idéologies radicales mais populaires contrôlait toujours les régions du centre. En d'autres termes, la majorité des réserves de pétrole et de céréales étaient aux mains des bolcheviques. L'hiver approchant, ils étaient convaincus que les Blancs ne pourraient pas tenir la ville bien longtemps. На мне форма царской армии, на других черкесские папахи. Мы разные, но нас объединила ненависть к большевикам. Мы 3 раза пытались взять город. Взятие Царицына – это ободряющий клич всему миру, презирающему коммунистов. Большевики жгут села и запугивают крестьян. Вот она, их свобода. Я грузил пушки в чрево спящего поезда, огромного стального монстра. Сегодня войну выигрывает тот, кто контролирует железные дороги. Soldats, les ordres du lieutenant-général Rangel sont tombés. Nous devons maintenir nos positions le long de la ligne rouge, ici. Si nous échouons, battons en retraite et rejoignons les ruines. Utilisons les ruines pour nous défendre, ou l'ennemi risque de nous submerger. S'il y parvient, replions-nous vers le fleuve du Don. En cas d'échec, nous n'aurons pas d'autre choix que de rejoindre Tsaritsyn. Que le passé inspire le futur, pour la mère patrie! Thank you.
sommes en train de perdre l'objectif. Objectif perte. De perdre l'objectif Anatole. Thank you.
train de perdre l'objectif Berthe. La moitié de ses forces. De perdre l'objectif Berthe. Nous avons perdu l'objectif Berthe. Thank you.
Très bon travail. Vous avez vaincu les bolcheviks. Mais restez sur vos gardes. Ces démons repasseront à l'attaque. Lorsque ce jour arrivera, renvoyez-les en enfer. Nous avons pris l'objectif Berthe.
avons perdu l'objectif Berthe. Gagner la zone de combat. Commandants et paysans, hommes et femmes, vous êtes tous des héros qui ont défendu l'honneur de notre glorieuse nation. Maintenant, reprenez la défense car ils vont attaquer une dernière fois. Thank you.
Полегче! Шевелись! Regagner la zone de combat. Держите гранату, сволочи! Это тебе аптечка? En train de perdre l'objectif Anatole. Nous avons perdu l'objectif Anatole.
Nous sommes en train de perdre l'objectif Berthe. Nous avons perdu. Ceux qui voulaient détruire la Russie avec leur propagande nauséabonde ont été vaincus. Que leur révolution se noie dans le sang et la crasse. Ils sont finis. Le passé inspirera le futur. Si les Blancs avaient réussi à défendre Tsaritsyne et garder le contrôle de la Volga, leur armée épuisée aurait très certainement regagné des forces grâce à l'accès au pétrole et aux céréales. Avec du carburant pour leurs chars et de la nourriture pour leurs magasins, leur marche vers Moscou aurait pu se solder par une victoire, et l'armée des volontaires aurait mis un terme à la révolution socialiste. Si l'armée rouge avait perdu Tsaritsyne, le commissaire Joseph Staline n'aurait pas hérité d'une place si privilégiée dans les rangs bolcheviques. Et le destin de la Russie soviétique aurait été très différent de ce que nous connaissons.